Et salut tout le monde, c'est Rétanix et on se retrouve pour un nouvel pour une nouvelle vidéo de Let's Play. Et c'est donc un Let's Play, comme vous pouvez le constater, marqué à gauche, d'Half-Life. Donc pourquoi un nouvel Let's Play? Parce que j'ai plusieurs informations à vous donner. Déjà vous l'aurez certainement remarqué, j'ai changé d'intro. Oui. Parce que j'ai perdu la mienne. Et j'ai pas justement perdu que l'intro, j'ai aussi perdu les sauvegardes d'Amnesia. Donc je vais devoir tout recommencer, mais je vais pas recommencer les vidéos, je vais juste me retaper les 4 heures de vidéo hors caméra. Ça va me faire chier, mais bon, j'ai pas le choix. Ensuite, pour Banjo-Kazooie, j'ai normalement réussi à garder les sauvegardes, mais je les ai pas encore avec moi. Du coup, c'est quoi cette horreur qui passe sur l'écran là? C'est un tuyau, c'est quoi? C'est moche. Je sais plus ce que je disais. Oui, c'est vrai de Banjo-Kazooie. Et donc, quand je la récupérerai, je continuerai à spé dessus. Parce que normalement, je les ai sauvegardés. Ensuite, pendant que je joue, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai perdu tout ça. Pourquoi. Et on va commencer. Ce serait déjà une bonne idée. Donc let's go, et pendant le chargement je commence à faire un petit résumé, à moins que ça charge trop vite. Attention. Ouais non, j'aurai pas le temps. Et ben c'est parti pour l'épisode 1 d'Half-Life 2. Sachant qu'ensuite quand j'aurai fini Half-Life 2, je ferai ensuite Half-Life 2 épisode 1 et Half-Life 2 épisode 2. Et peut-être même Half-Life 2 Lost Coast, même si ça n'a rien à voir avec l'histoire d'origine, mais bon, c'est sympa. C'est court, efficace et pas cher. Half-Life 2. Réveillez-vous, monsieur Freeman. Réveillez-vous. Je n'insinue pas que vous êtes reposé sur vos lauriers. Vous méritez bien un peu de répit. Et tous les efforts du monde auraient été gâchés jusqu'à... Eh bien... Disons que votre heure est venue de nouveau! Pardon. J'étais obligé. C'était trop tentant. L'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence. Alors debout, monsieur Freeman. Debout, sentez-vous l'odeur des cendres? J'ai cru voir un canapé découpé. Je suis pas sûr, mais il me semble que j'ai vu un canapé découpé. Enfin, un canapé, un fauteuil. Bon, donc on est dans un train, comme vous l'avez constaté, et on arrive à une station. Je vous ai pas vu monter. Bah normal, moi non plus, je me suis pas vu monter. J'ai beau avoir été relogé plein de fois, je m'y ferai jamais. Ah, tu m'étonnes. T'es sans abri, c'est ça? Allez. T'es sans abri. Terminus. Mais t'as des valises quand même. Ah. C'est quoi? C'est ce que t'as pris dans les poubelles? Bienvenue. Bon. Bienvenue à Cité 17. Vous êtes le candidat à... T'es moche, toi. Donc, la raison du comment, du pourquoi, du tout le soin, c'est que je me suis fait pirater l'ordi. Intrusion et tout, avec demande de rançon et tout, tu me donnes 5 holopas sinon je te pète tes comptes et ton ordi. J'ai vérifié, ils avaient bien mes mots de passe. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ton ordi, j'ai changé mes mots de passe depuis un autre ordinateur qui n'est pas simple. Et j'ai dû reformater celui-ci. Mais j'ai pu du coup récupérer que les choses que j'avais déjà mis de côté en fait. Telle la sauvegarde de Banjo-Kazooie. Mais pas celle d'Amnesia parce que j'avais pas trouvé. J'avais pas cherché en fait. Bon d'accord, je me suis cherché une excuse. Ok, et du coup j'ai reformaté. Mais en même temps ça apporte plus ou moins une bonne nouvelle. C'est que, bon déjà du coup je vous fais ce let's play pour me faire pardonner hein, du retard qu'il va y avoir au niveau d'Amnesia et de Banjo-Kazooie. Mais c'est surtout que certains jeux, je vais les filmer en meilleure qualité parce que...
je ne sais pas trop pourquoi. Après mon formatage, il se trouve que l'ordi a une amélioration de puissance niveau niveau jeu assez impressionnante sur quelques jeux quand même. Et du coup ça vous fera parfois des vidéos de meilleure qualité que j'ai l'habitude de faire pour certains jeux. Je vais prendre pour exemple Killing Floor, dont je vous faisais des vidéos en 800-600 en qualité minimale, que maintenant je vous ferai des vidéos en 1280x720 en qualité haute. C'est quand même une petite différence. Le tout sans laguer, normalement. Voilà. Alors que, je sais pas si vous vous souvenez, mais déjà en 800-600, je laguais comme un porc, hein, la vidéo. Pas comme un porc. Pas exagéré, mais pas mal. Premier avertissement dégagé, mais c'est ce qui reste. Oh, vas-y, je me barre avec la valise. Tadam. Ouais, je t'ai... Merde, rends-moi ça. C'est moi qui parle. C'est à moi que tu parles. Vas-y, bouffe ta valise. Arrêtez. Ça colle ici, moi. Alors, sortez un café, s'il vous plaît. Quoi, vous faites que de l'eau? Brin privé, c'est la... Alors, attends. C'est la réserve privée de Dr. Brin, qui est d'ailleurs cette personne là-haut. Dans un distributeur. C'est privé, mais c'est dans un distributeur. Il y a des choses que je comprendrai jamais, je crois. Je veux boire. Ok. Oh attends, non, je suis quelqu'un de très propre. Très propre. Et je mets les déchets dans la poubelle. S'ils veulent y aller. C'est pas mon pote, monsieur l'argent, c'est le déchet que vous voulez parler dans la poubelle. Bon, alors il est hyper content lui. Merci. Ils arrivent jamais, et ceux qui arrivent, ils partent jamais. On les voit pas partir et ils sont toujours pleins. On voit personne monter, mais ils partent tout le temps, mais ils... Voilà. Et qu'il est pas content, c'est qu'il est détraqué. J'espérais ne plus le revoir après s'il était 14. Donc. Là-bas. Je m'en fous, je prends la valise quand même. J'ai un colis. Ah vas-y, je voulais bloquer la porte. Vas-y, mate la valise, toi. Oh, tu passes à travers. Oh, vas-y, dégage. Oh, c'est une agression. Et bon, ça, je me présente Ritalix, lanceur de valise de la de l'année 2012. Oh, il y a mis un valise. Il a pas mis ma valise, l'ordinateur, ou quoi? Bon. Sésame, ouvre-toi. C'est bien, Sésame. Ça s'accasse toi là, mon roviette. T'as peur que je t'arrache les rotules. Avec une petite cuillère. Non, avec un livre. C'est quoi, c'est une encyclopédie? À propos de cette bière, que oh, mais t'as des cheveux? C'est moi, Gordon. Barney de Black Mesa. Pardon de vous avoir fait peur. Mon numéro, c'était pour les caméras. Je suis un agent infiltré dans la protection civile. Je ne peux pas rester longtemps, ça va faire louche. Tu as fait très. Tu as fait très. Et ben, c'est quoi? Oui, Barney, ah. Qu'y a-t-il? Je suis en plein milieu d'un test primordial. Pardon, Doc, mais regardez qui voilà. Bon Dieu, Gordon Freeman. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai fait rien de très illégal. Doc. Il allait prendre l'expérience. Mais, Barney, que comptez-vous faire? Je réfléchis. Alix est quelque part par là. Elle saurait certainement comment le faire venir ici. Bah... Tant qu'il ne s'approche pas des postes de contrôle, ça ira. Écoutez, je dois y aller. Je m'approche de ce que je veux d'abord. Ah, moi aussi, ça me fait plaisir. Gordon, débrouillez-vous pour rejoindre le labo du docteur Kleiner. Bon sang, c'est ce que je craignais. Par ici, oui. Je serai à découvert. Ah, comment on ouvre? Sésame, ouvre-toi. Ah non, ça marche pas. Ah, d'accord, je me casse. Il n'y a pas de temps à perdre, Gordon. Magnez-vous. Oui, je me magne. Viens là. Ça donne nouveau un colissimo. Non ! Oh, je me suis pété une rotule et je boite. Je boite et je bois. Oui, glouglou. Ah ouais, ah cool, je peux les péter. Comme dans Amnesia. Je kiffe péter les bouteilles. Oui. Attends, j'ai mieux. Bon, bref. Et nous sommes victimes.
victime d'un chargement. Donc vous pouvez le constater, c'est un chargement magnifique de qualité HD avec écrit chargement au milieu de l'écran. Et c'est... Oh là là, je suis choqué par la beauté de cet écran chargement. Quoi ? Ah bah, je suis aussi choqué par la rapidité. Je m'y attendais pas, je pensais que ce serait un peu plus long. Oh, un cadenas. Et je peux pas le cadener. Hé, hey, sont où mes bouteilles cassées là ? Justice, arrasé. Je prends une brique. J'ai pour lire une lettre que j'ai reçue dernièrement, cher docteur Moon. Pourquoi les cartels veulent supprimer notre cycle reproductif ? Salutations à un citoyen soucieux. Et c'est 112 là ? Citoyen. Oups. J'ai coincé ma brique. Non, rends-moi ma brique, vilaine porte, vilain. Je suis en train de ramer le jeu à cause de la fumée. Oula, elle a volé la brique. Rien là. Elle a volé la brique. D'accord. Je ramasse. Tiens, prends. Jette-moi la canette. Ah, tu veux que je la mette dans la poubelle ? D'accord ! Plus ! Oh oh ! Je me casse. Je suis pas là, c'est bon d'arrêter de me suivre. Ah, bah apparemment non. Eh, coucou ! Ah, vas-y, lâche-moi le cul. C'est elle, c'est pas moi. Laissez-moi tranquille. Mais laissez-moi tranquille. Mon dieu, il y a pédobir devant moi. Il va me voler. Je fais tout du bon. Oh. Coucou. T'es con, hein. Bon, bah. Je sais pas moi, je te paye un verre. Tiens, prends ça. Oh merde, y'a plus de verre. Je te paye une canette alors. Ah. Mais c'est que tu piques. Mais arrête de me piquer, connard. Ouais, je te provoque. Viens là, toi, je te provoque. Il me fait marrer. Aïe. Ouais, là. Je suis fini à mort en un endroit où t'es même pas censé mourir. Ouh, le cartel. Il y a un pigeon en passe. Ouh, là, il me fait peur, lui. T'as de beaux yeux, tu sais. T'as de beaux yeux électroniques. Parce que je te nique les yeux électroniques. Qu'est-ce qu'il est moche. Alors. Ceci est un arbre. Ne me demandez pas pourquoi. Parce que ça a des branches et un tronc. Quoi? C'est moi que tu regardes? Je dirais bien t'as de beaux yeux mais t'as pas d'yeux. On les voit pas. Et pour le combat de coucou, t'as commencé par l'instinct humain de base, l'instinct de reproduction. Putain, mais en fait. Eh, ça fait que j'ai les sous-titres deux fois qu'on parle de reproduction, mais en fait. Pervers. N'empêche, t'es joli le machin qui passait là. Alors. Je vais me suicider. Oh, attends, vas-y, je monte dessus. Merde. C'est papa, c'est toi. Papa. Papa, non. Pourquoi? Pourquoi? Oh, j'ai un flashback. Je suis au paradis. Ah non. Oh, bon. Ok. Continuons. Oh. Vous avez demandé que je lui repeigne la façade, eh ben je vais vous la repeindre moi, c'est de la peinture de chez le peintre du coin, et puis voilà, peintre de peinture. Et j'aime les provoquer, ça me fait marrer, voilà. Merde. C'est pas... Oh, attends. Merde. Putain, il est pas fichu de se baisser. Peut-être on peut pas faire tourner. Ah si. Ah d'accord. Attends. Oula. Je vais m'amuser. Ah mais arrête de tourner, je veux rentrer. Ah voilà. Ça va pas se passer comme ça. Bonsaï. Tu vois, ça marche.
Ah, je vais me foutre au milieu. Non, non. Au milieu, tac, tac, tac. Ah, je l'ai coincé avec mon cul. Bon. J'ai le tournis. Je vais vomir. Là, là. Oh, je vais jouer, mais comme il n'y a personne avec moi, bah, je vais y mettre des briques. Oui. C'est fantasmique. Ah. Oh. Joue avec moi la brique. Oh, vas-y, on se fait un morpion. Alors, bon, le choix est pas très difficile. Ah, voilà. Suspense, qui va gagner? Et c'est personne. Victoire de personne. Bien joué, personne. Ok, bon, continuons parce que je vais peut-être pas rester ici 30 ans à jouer à la marelle et tout ça. Chargement, please wait. Please wait. Ok. Alors, nous avons de très jolies. Sur la porte. Y'a personne? Non? On peut pas sortir? Ok. Ah, vas-y, je me barre à vélo. Je vais porter des vélos, voisin. Oh, je passe pas. Ah, si, je passe. Yeah, t'as passé. Bon, non, il veut pas. Ok. Oui? Geste 603 entre interdit. Agent inter, je suis à 10-99. C'est bien parce que. C'était des bluffs. J'ai dit circuler. Je n'en peux plus. Oh, okay. Pourquoi j'ai un message maintenant? C'est interférence. Désolé pour les interférences. Fucking SMS of my ass. Respect ça. Non, c'est pas. Mais. C'est à vous la télé, c'est qui le proprio de l'appartement là? C'est toi, monsieur? Mais dites-moi, vous avez une jolie télé. Ça vous dérange si je l'emprunte? Oui, d'accord, j'y fais gaffe. Bon, d'accord. Je vais la mettre dans mon salon, je vais la mettre par terre parce que j'ai plus de meubles. Parce que j'ai plus de salon non plus d'ailleurs. D'accord. Sur le toit! Oh, oh, ok, je me barre, je vais courir. Oh, une télé. Je fais un échange. L'autre était éteinte, ça m'a pas plu. Bon, celle-ci est éteinte aussi, mais depuis moins longtemps, alors c'est peut-être réparable. Ah, j'arrive pas à passer. Tu veux un coup de main? Ah, je t'ai passé un coup de télé, c'est déjà ça. Ok, commence à y avoir un petit peu d'action, mais un tout petit peu. Mais que va-t-il nous arriver? Que se passera-t-il? Le mec va-t-il réussir à tenir la porte? Eh ben, vous le saurez dans le prochain épisode. Vas-y, je foire mes fins, là. Je foire ma fin. Oui, dire ciao tout le monde. Je dis je suis là pour tout le monde ou je sais pas quoi, là. Bon, je dors. Ciao tout le monde. On se retrouve pour l'épisode 2 d'Half-Life 2. Vous pouvez vous abonner, mettre j'aime, enfin tout ce qui va. Tous les boutons autour de la vidéo, hein, en dessous, au-dessus, à gauche, à droite. Et retrouver toutes les vidéos sur retalix.fr. Ciao tout le monde!